Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Donc les gars, aujourd'hui ça c'est mes pronostics d'aujourd'hui, voilà dimanche. Donc si tu suis cette vidéo, je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ne rate pas ces trois coupons là. Ok, hier je vous ai fait trois coupons, le coupon de samedi. Donc hier nous avons validé deux coupons sur trois. Donc le coupon de cote 2 n'a pas été validé malheureusement, mais nous avons validé deux coupons hier. Donc ici je vous ai fait trois coupons. Voilà, il y a un coupon de cote 1,87, un coupon de 2,28 et un troisième coupon de cote 2,36. Alors prends le temps de bien suivre cette vidéo. Donc avant de continuer, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines failles, les prochaines astuces qui arrivent sur la chaîne. Et surtout, surtout, mon gars, n'oublie pas de me lâcher une pouce en l'air. Ça m'encourage énormément à te fournir de meilleurs contenus. Donc une fois que tout cela est fait, c'est parti pour la vidéo. Donc ici pour le premier coupon, je vais juste cliquer sur voilà l'événement en question. Prends le temps de rester jusqu'à la fin de la vidéo mon gars et n'oublie surtout pas de me lâcher une pouce en l'air. C'est ce qui m'encourage vraiment à vous fournir de meilleurs coupons. Donc ici le premier coupon c'est le match le championnat espagnol bien sûr, la Liga. Donc le premier match c'est Retafe et puis Rayo. Donc ici j'ai pris nul dans au moins une mi-temps. Donc les gars vont faire nul dans au moins une mi-temps. Et ici le deuxième événement j'ai pris Celta de Vigo et puis Atlético de Madrid. Donc j'ai dit il y aura 1,5 but dans le match. Mais les gars c'est toujours le pari sportif et il n'y a jamais de 100%. Donc vous pouvez aussi prendre le temps de faire votre propre analyse. Donc sans trop bavarder je vais passer directement au deuxième coupon. Donc le deuxième coupon c'est de cote 2,28 et ici j'ai placé 30 000 francs. Donc ici j'ai pris 2 ou nul de Borussia Mönchengladbach. Donc c'est le match entre Hertha et puis Borussia. Donc j'ai dit que l'équipe va gagner ou il y aura match nul comme ça. Donc ici c'est 2 ou nul dans le match. Et ici j'ai pris victoire ou nul de Cologne contre Francfort. Donc j'ai pris victoire ou nul de Cologne ici parce que quand j'ai bien fait mes analyses, j'ai analysé les matchs précédents ainsi que les confrontations entre les deux équipes. Donc ça c'est le résultat de mes analyses, je te le redis encore, c'est le résultat de mes analyses. Donc tu peux prendre le temps de faire tes propres analyses. Donc ça c'était le deuxième coupon. Sans trop bavarder, je vais passer directement au troisième coupon. Mon gars, si c'est pas encore fait, prends le temps de t'abonner, abonne-toi, active la cloche de notification. Donc passons directement au troisième coupon. Le troisième coupon ici c'est de cote 2,36 et ici c'est le match entre Leeds United et puis Manchester United. Donc j'ai pris victoire ou nul de Manchester United. Voilà. Et ici le deuxième événement c'est le match entre Manchester City et puis Aston Villa. Donc j'ai pris total 0,5 de Aston Villa. Ça veut dire que Aston Villa va marquer un but dans le match. Mon gars, je te le redis encore, c'est le pari sportif et rien n'est sûr à 100%. Prends le temps de faire tes propres analyses. Donc, si la vidéo t'a plu, lâche-moi un pouce en l'air. N'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification. On se dit à ciao pour une toute nouvelle vidéo.